je ferai tout qu'on l'air s'incunera. Bonjour, chers amis, et bienvenue. Cette chanson a connu une évolution assez remarquable et étendue avant de devenir l'une des chansons les plus emblématiques de l'histoire de la musique. En février 1967, le talentueux compositeur français Jean Underwood a conçu la première interprétation de cette mélodie. Il s'intitule Les formes, et à l'origine, les paroles étaient en anglais. Un De manière passionnante, Benderwood a contacté plusieurs chanteurs bien connus par le biais de leur maison de disques, tels que Herbie Ballard, Michel Sardou, Mireille Mathieu et Claude François. Oh. Ce... Étonnamment, tous ont refusé la chanson, la jugeant moins attrayante. Avance rapide de six mois, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le chanteur Klaus François, qui avait précédemment enregistré deux autres chansons Benderwood en tête des charts français, a exprimé un fort désir de rencontrer le compositeur en personne. Claude-François a gracieusement invité Underwood dans son charmant chalet, où ils ont passé une journée remplie de loisirs, de détente et de discussions captivantes sur de nouvelles chansons potentielles. Au cours de leur conversation sincère, Jacques Rebou a constamment exhorté Claude-François à reconsidérer l'acceptation de la chanson forme. Bien qu'initialement hésitant, François et Underwood ont continué à échanger des réflexions sur la question. Finalement, Klaus François a proposé une idée brillante, et s'il recréait les paroles en français, cette proposition les rapproche du talentueux écrivain Gilles Thibault. Le trio a créé un tout nouvel ensemble de paroles en français qui expriment magnifiquement l'histoire d'un couple sur le point de mettre fin à leur relation. Leur vie était tombée dans une routine monotone, ou faire l'amour était devenu banal et fastidieux. Les paroles ont été inspirées par la récente rupture de Claude avec le chanteur en chanteur Frangal. Par conséquent, la chanson a acquis un nouveau titre, avec la Verdide, qui se traduit, comme d'habitude, en espagnol. Un mois plus tard, en septembre 1967, la chanson est enregistrée à Paris et sort en novembre, marquant ses débuts et sa version originale. Il n'a pas fallu longtemps pour, avec la évité, faire des vagues sur la scène musicale, il s'est vendu à 200 exemplaires, zéro exemplaires et a occupé la première place des charts pendant trois semaines. Cependant, comparé aux autres succès notables de Claude, ce succès était considéré comme relativement modéré. Paul est parti en vacances à Paris, et alors qu'il voyageait en taxi, il a entendu cette chanson à la radio. Les paroles ne lui semblaient pas extraordinaires, mais il n'arrivait pas à sortir la mélodie de sa tête. Conscient de son immense potentiel, MK profite de son séjour à Paris pour acquérir les droits de la chanson. Une fois de retour chez lui, il a écrit une nouvelle série de paroles en anglais qui dépeignent un homme réfléchissant à sa vie alors qu'il sent la mort approcher. Il reconnaît les hauts et les bas, mais dans l'ensemble, il l'a fait à sa manière et n'a aucun regret. Anka croyait que les paroles décrivaient parfaitement la vie de Frank Sinatra, alors il a tendu la main pour lui offrir la chanson. Sinatra l'a adoré et l'a rapidement enregistré. Il est sorti en mars 1969 et est devenu un énorme succès. Au fil des ans, il est devenu le thème phare de Sinatra. La chanson a acquis une telle renommée qu'elle est devenue l'une des chansons les plus couvertes de l'histoire, avec d'innombrables artistes du monde entier l'interprétant. La première version espagnole est apparue en 1970, enregistrée par la chanteuse argentine Estela Raval, intitulée Ami Modo. Cependant, la plupart des adaptations espagnoles étaient intitulées Ami Manera. D'autres artistes célèbres qui ont chanté cette chanson remarquable incluent Elvis Presley, Raphaël, Nina Simone, Sex Pistols, David Bowie, Blanca, Andrea Bocelli, Barbie Gif, Vertigo Osborne, Céline Dion, Champagne, O.G., Rulio Iglesias et Gypsy Timbs, pour ne citer que juste un peu. Claude François a été surpris par le formidable succès de la chanson. Malheureusement, il n'a pas été témoin de sa pleine consécration au fil des ans puisqu'il est décédé tragiquement le 11 mars 1978. 8. La mort soudaine de Klaus-François au sommet de sa popularité a été un coup dur pour toute la France, surtout compte tenu des circonstances étranges et presque absurdes qui l'entouraient. En prenant une douche, il a remarqué qu'une ampoule au-dessus de lui n'était pas droite. Étant un perfectionniste, au lieu d'attendre, il s'est levé dans la baignoire et a essayé de réparer l'ampoule. En raison d'ajustements antérieurs, certains fils exposés ont été laissés. Et lorsqu'il les a touchés alors qu'il se tenait dans l'eau, il a reçu une forte décharge électrique qui l'a rendu inconscient. Yes. Oh. Bien que des tentatives de réanimation aient été faites, il est décédé quelques heures plus tard à l'âge de 39 ans seulement. Mm. Eh bien, mes amis, c'est l'histoire derrière la chanson My Way. Laissez-nous un commentaire en nous indiquant la version que vous aimez le plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et nous vous reverrons bientôt avec une autre vidéo.